Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Docteur Fang pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3 en compagnie de Fox Die. Salut Fox. Salut à tous. Salut à toi. Alors, on se fait une petite course dans le ciel. Je crois que j'ai bouclé le dernier. Du coup, je te laisse commencer. Vas-y, une petite course dans le ciel. C'est parti, gamin. Oh, les gamins. Et quelle course! C'est déjà fait mes paris. J'ai déjà fait mes paris. Mais que vois-je? Les pistes ne sont pas prêtes. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez un passage pour que tous les pilotes atteignent leur objectif. Leurs objectifs. Allez, on va mettre ça ici. S'il veut bien. Non, il peut pas. Ah, un peu plus haut. Peut-être là. Je sais pas, mais pourquoi faire? Si je fais ça. Oh! Ah, t'as un poids qui vient t'embêter un peu là. Et qui est là juste pour la course. Et personne ne pousse. Ah, d'accord, ça pousse. On verra qui partira en premier, mais. Parce que chacun ne part pas dans le même temps. Ah, c'est pas bête. Ah, du coup, t'attends que le mec tout en haut parte ici, en là. Premier. Ouais, il part en premier. Par contre, sur tes gants, t'es peut-être pas bon, hein, parce que t'as mis le plus haut chrono en haut, non? On verra. Non, c'est bien ça, ouais. Okay. Ok, bien vu. Vite, ça monte. Et non, pas bon. C'est le deuxième qui doit partir plus. Le troisième qui doit partir en deuxième. Le tout en bas qui doit partir en deuxième. Yes. En même temps, ils nous ont donné quelques indices hein, quand même. Hein. C'est le orange qui doit partir en premier, suivi du bleu, suivi du vert en fait. T'as vu, tes grandes boxes sont colorées en termes de chrono. Mais ouais. Ça cloche. Il y a un truc qui a cloché. Hein. J'ai pas regardé ce qui a cloché, mais. A cloché. Ah, c'est peut-être ça. Ah, attends, en fait, je suis pas sûr. Est-ce que ce serait pas en fait le vert qui devrait partir en premier, en vrai? J'ai déjà essayé, ça va pas. Il y a eu des problèmes. Je ne comprends pas trop. Non, t'as toujours fait démarrer le orange en premier, le mec tout en haut. Fais démarrer en fait le vert en premier. Tu peux pas commencer avec tes ballons un peu plus haut histoire que ce soit stable et qu'il passe un peu plus efficacement. Même plus bas, vas-y, un peu plus haut. Ah, voilà. Tu vois comme ça là, hop, tu vois, c'est stable. Hop, le mec il bouge. Pouette. L'autre là il s'en va. Tac. Il dégage. Ah bah non, bah tu vas être coincé à cause du. Alors déjà ton point bleu, je pense que tu le replaces un peu plus. Ouais, parce qu'il passe pas. Il avance pas. Yes. Là on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Bah voilà. C'était easy. Est-ce qu'il passe? Ça va. Tu m'en peux moi. Faut bien placer les gants hein, parce que j'ai vu que le orange il avait pas beaucoup de vitesse à la fin. Ça va que c'est en dénivelé, mais. C'était chaud hein. Dunker au-dessus des nuages, vas-y. On a fait des dunks dans l'espace donc on s'en fiche. Quelqu'un m'a dit que même au-dessus des nuages, le basketball est un jeu célèbre. Mais on dirait qu'aucun fan n'a pu venir jusqu'ici. Marquez un premier panier, je suis sûr que vous attirerez l'attention. Ok, donc on a quoi? On a des balles qui tombent partout. Ok. Donc on a une, deux, trois. Alors c'est cette balle là qui doit se barrer. D'accord, très bien. Moi je pense qu'il y a une histoire avec ça déjà. Non, visiblement le jeu ne veut pas. Donc voilà. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un gant de box activé ici. En fait, c'est quoi l'intérêt de... C'est qu'on aurait un plat. Ça serait l'idée. Toi, en fait, tu peux venir ici ou pas du tout? Ouais, c'est... Ça me paraît bizarre, cette histoire. Je peux pas te placer là, toi, bien sûr. Tout sauf sur la poutre, quoi. La poutre qui m'empêche de placer le truc. Le jeu qui me dit non, tu feras pas ça. Arrête de tricher, Knarfang. C'est pas possible, ça. Arrêtez, monsieur. Je peux rien placer ici, non? Ah si, les planches, c'est au okay, tiers. Ok. Juste balance ça comme ça, hein. C'est juste pour voir ce que ça... D'accord. Ok, donc en fait, l'autre, je peux carrément la mettre... Ah, mais non, je peux pas la mettre plus haute, cette planche-là. Cette planche-là, je peux pas la mettre plus haut. Qu'est-ce que je peux faire avec cette planche? Je peux éventuellement tricher comme ça. En
en disant vas-y petit bonhomme. Alors attends, hop. Tac. Du coup, j'ai même pas besoin d'attendre le point en vrai. Ah si, peut-être. Ah si, parce qu'il m'empêche de mettre ma planche plus bas. Ah, il me dit que Knarfang a de tricher. Oh non. Sauf que c'est pas grave, en fait, cette planche-là, on peut juste complètement la descendre, en fait. Ah, peut-être pas trop. Qu'est-ce qui est en collision avec quoi? Je sais pas. Ah, marqué ah j'ai fait... est-ce que je peux tricher comme ça? Ouais, mais c'est la balle verte, mais ça marche. Et oh, non. M'interdit de tricher. Non, mais ce jeu aussi qui m'interdit de tricher, quoi. Ah, mais j'aurais tout vu, quoi. Attends, je suis sûr qu'il y a moyen de faire, en fait, un bon rebond, là. Tac, tac, non. Y a pas moyen. Ah, y a pas moyen. Le jeu veut pas que tu fasses des trop de rebonds quoi. C'est passionnant. Hein. Ouais, ma grosse, faut que tu passes par dessus. Non. En fait, t'es obligé d'avoir une planche là, visiblement, pour pas tricher, pour pas tricher. Oh, c'est tout ça. J'ai pas trop d'idées là. Hein. Moi non plus, figure-toi. Hein. Ah si, si, peut-être. Attends. Remets comme ça. Si on mettait ça ici. Tout là-haut, ah, bah, oui, prennent la trajectoire. Bah oui. Ouais, mais le problème c'est que voilà, il faut que la balle touche. Voilà, sinon, c'est... sinon elle part. Ouais. Bah bien vu. Bien vu, bien vu. Incroyable. Rubik. Mais quel monstre du gaming, c'est ouf, c'est beau. Ouais. Du coup, t'as gagné le droit de faire le suivant. C'est ça. Déchets dans le ciel, putain. Ah. Déchets dans le ciel. Ah, un jeu écologiquement engagé. Hein. Qui a porté ces barriques jusqu'ici? Neige panique, je ne voulais plus les voir ici. Descendez-les et je m'en chargerai plus tard. Oui, cette fois, pour de vrai. Alors, exploser les barils sur Terre. Yes. Exploser ces barils sur Terre. On va voir ce qui se passe. Pas grand chose, il y a des îles derrière qui traversent. Ouais. Yes, on a un écrou qui fonctionne au ralenti avec un petit ventilo en dessous là. Je vois que c'est un mini ventilo, alors je sais pas quoi, mais. Bah, y a un truc par là. On est censé faire basculer une boule sur le sur la glissière en cuivre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Et t'as juste un grand box quoi. C'est quoi grand box? C'est écrit qu'il peut être montré sur une autre pièce. Ah, c'est un grand box qui peut être monté. Ah, on va le monter ici. Là. Alors, est-ce que je peux me permettre d'essayer un truc de la tricherie, s'il te plaît? Vas-y. Est-ce que je peux essayer de tricher? Ah, Fischer. Pas assez de puissance. Pas assez de puissance, je laisse travailler. Ah, mais c'est une bombe, c'est pas un boulet l'autre. Ah, bombe, ouais. C'est sûrement lui que tu dois pousser, à mon avis. C'est... Bah, le laser, il a l'air d'être là, le laser. Ouais, c'est ça. Ça. Mais il faut que tu le pousses avec le grand box en haut. Sinon, il a pas la force de mouvement à tous les coups. À tous les coups, il va rester planté comme un ballon. Voilà. Alors, ça, c'est pour la version pas tricher. Tricher, c'est pas bien. Ça pousse pas. Oh. Ah, ça vole pas toute seule. Oui, parce qu'en fait, il faut donner de la puissance au levier. En fait, c'est ça le truc. Oh, c'est rigolo. Ça va s'allumer tout seul. Oui, ça s'allume. Et boum. Ah bah, c'est une puissance de feu. Voilà, je sais pas si c'est une bonne façon de descendre ces déchets. Ça, à mon avis, t'as irradié la moitié de la région. D'accord, et en fait, derrière, c'est une espèce de Montgolfière Steampunk. D'ailleurs, très stylé. Très stylé. Il faut le dire. Tuyau de cheminée bouché. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Quelque chose doit être coincé dans ce tuyau de cheminée. Dépêchez-vous. Donnez un bon coup à ce ballon avec le. À ce ballon avec le ballon de basket et débouchez le tuyau, quoi. C'est simple que ça. Ok, il se passe des trucs, il y a un ballon qui tombe, trop
trouvé Yarmo, je suis trop content. Il y a un tuyau. Cool, je vais le placer là. Mieux placer des tuyaux. Parce que je pense que c'est une super idée. Donc je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller. Qu'est-ce que c'est que ce bignou? Non, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité. Donc là il se passe quoi? Il se passe vraiment rien quoi, il faut que je bouge cette balle. Mais il faut juste l'amener là. J'ai pas tout pigé là. J'ai un laser. Est-ce qu'on a une source d'énergie? Est-ce que toi tu vois une source d'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Non, je vois pas trop. Donc on est d'accord que la seule chose qu'on peut voir, c'est ça. Avec un bouton là, genre vas-y, active-moi ça, merci, au revoir. Il y a un petit problème de physique dans le jeu, normalement je devrais pouvoir te mettre plus bas, mais non, visiblement non, c'est hors de question. Et voilà, où est l'utilité? Que fait la police? Ou alors j'ai le droit de poser mon laser là-dessus, et je peux faire claquer un ballon, mais je vois pas l'utilité. Je peux pas découper le ballon. Alors excuse-moi, hein, j'essaye des trucs, hein. Ouais. Des trucs débiles. J'essaye. Voilà. Pour activer ça. Attends, bah lui il tourne là, lui. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai mon info. J'ai l'info que j'avais pas. J'ai l'info que j'avais pas. D'accord. Et là je dois pousser quelque chose. Hop. Hop. Bah voilà. J'ai toutes mes réponses. En fait, le jeu il est facile à partir du moment que t'as vu la balle. Le problème c'est que moi j'ai pas vu la balle. Voilà, donc ça c'est très rigolo. On peut rien poser ici. Pourquoi? Alors, clairement, toi tu bouges. Toi tu bouges. Toi, ici. Non, si, merci, ici. Je vois pas l'utilité. Ah si, pousser la balle vers là. Oh, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui... Quoi? Pourquoi ici ça veut pas? Quoi? Est-ce que... Oui, voilà, bon, si tu veux, hein, vas-y. Vends-nous du rêve un peu pour voir. Il y a une donnée que j'ai pas quelque part, hein, j'avoue. Paf. Ah si, d'accord, c'est parce qu'il met son coup de poing en verlan. Quoi? Mais c'est pas juste. C'est pas juste ce qui m'arrive. J'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité d'avoir un problème de physique dans le jeu. La vie c'est de la merde. Ou alors c'est l'inverse. Attendez, je crois que j'ai une idée de génie. Non, c'était pas une idée de génie du tout. Donc c'est bien par là et c'est juste que le jeu me colle des problèmes de physique quantique. Absolument pas pratique. Ah merci, merci le jeu. J'ai toujours pas gagné parce qu'elle est bloquée là. Allez, ma vie est nulle. Allez bro, elle va passer à un moment donné cette balle là parce que tes problèmes de physique de ces morts. Mais ça peut pas marcher. Fox, ma vie est nulle. Cool. Et là ça marche pas. Est-ce qu'on peut le poser là? Non. Est-ce qu'on peut le poser comme ça là, comme un vieux schlag? Non, ça marche pas. Un peu plus stable comme ça. Ah, je vais chercher le pixel vengeur. Hein. Non mais c'est vache. Non mais vraiment. Alors sinon on peut peut-être te régler toi, voilà. Sinon on peut peut-être faire ça aussi. Ah bah voilà. D'accord. D'accord, c'est juste la planche. Je t'entends régler mon plot, il fallait régler la planche. Bon, désolé. J'ai perdu un peu de temps là-dessus. Trop peu de balles colorées. Et qu'ai-je fait? J'ai mis presque toutes mes balles dans le bac de recyclage, mais il m'en faut deux maintenant. Heureusement, ma machine de clonage est presque terminée. Faisons des essais, mettons-y les deux premières balles en plastique. Vas-y Yu-Gi-Oh, à toi de jouer. Alors déjà t'as tout un jeu de tuyauterie. Tout un jeu de... De ça. Catapulte.
Ah, est-ce que tu devrais pas les inverser tes catapultes? Non, je pense que ça la cuvette de toilette active la deuxième en fait. Tu sais, celle que t'as mis à gauche, tu la mets à droite. La cuvette de toilette, quand elle tombe, elle l'active. Non, mais il y aura pas de boule dedans. Je pense qu'il faut la boule jaune aille à gauche et la boule rouge aille à droite. Pas sûr, hein. Écoute, je te laisse tâter. Hein. Moi, je pense que tes gouttes, c'est pour l'extérieur. Je pense qu'on est en mode boule de flipper. Il faut les sortir dehors. Mais t'as une histoire de table aussi. Hein. T'as une histoire assez obscure de table. Ouais, c'est. Ça tient. Ça se tient. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que ça se tienne? La poutre est aussi grande que ça. Ça va faire quoi ça? Franchement là. On a peut-être envie que ça se démonte. Tu m'as dit, si on inverse. Les deux catapultes. Les deux catapultes pour que ça touche là. Mais la plus haut ta catapulte à droite. Mais là complètement à droite, 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 droite. Encore plus. Au max à droite. Voilà. Pourquoi faire? Bah pour que la balle jaune tombe le plus, voilà, à gauche possible, ok d'accord, donc ça marche pas. Et au moins voilà, on aura essayé quoi, ça aurait été rigolo. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes hein. Bah ça va être ça. Alors t'as une voiture aussi hein, est-ce que la voiture peut pas activer un bouton par exemple? Mais j'y crois pas. Moi je suis en train de voir un espèce de délire cosmique. Un délire cosmique avec tes tables. En train de me dire en fait si la voiture elle était sur une table ou sur une poutre, elle ferait basculer la poutre et pourrait activer. Parce que t'as juste besoin d'activer en. Ah non, t'as pas besoin d'activer les. C'est quoi le délire de la cuvette de toilette là? Je suis pas au courant. Ah, ça peut marcher. Voilà, c'est ça. Tu vois, la voiture avec une bascule peut activer un bouton. T'as peut-être pas besoin de tout ça, voilà, t'as peut-être besoin juste d'une table, une poutre pour activer. Je vois pas du tout, vas-y prends la main. Hein. Vas-y, moi je vais tenter un délire cosmique, hein. Je te préviens. Là il y a de la drogue. Hein. Cherchez plus la drogue. Je l'ai trouvé. Je l'ai en moi. Juste essayer ça. Il y a du progrès. Il y a une idée quoi. Ah, échec. Mais cette table ne devrait pas basculer à droite. Pas trop. Ah, mais ici en fait, parce que. La voiture, c'est la voiture qui est ultra lourde en fait. Oh, ça passe même pas. Mais je crois que c'est que la balle n'a pas le temps de se stabiliser. Ouais, et du coup elle passe pas par-dessus. Du coup, comment gagner ce temps-là déjà? Alors, déjà, cette table-là pour l'instant elle vient. Il y a une histoire obscure hein, de. Obscurantiste. Je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a vraiment. Parce que pareil, cette balle-là, moi je veux bien l'envoyer, mais en fait je t'envoie une cuvette de toilette. C'est ça, c'est-à-dire que. Si on garde cette catapulte-là ici, on peut rien en faire. Je vois pas comment te dire quoi. Par mettre une table là et dire, bah, avec un peu de chance, la balle elle tombe à droite, mais. Voilà, c'est une histoire de chance quoi. C'est une histoire de chance quoi. Je sais pas, j'avoue, je bloque. Hein. Je te rappelle que t'as déjà fini ce niveau. Hein. Il y a longtemps. Je vais me rappeler. C'est quoi l'intérêt là? Moi, à mon avis, il faut faire rebondir cette balle là sur le teco. Mais non, c'est nul. C'est faux. C'est faux, c'est zéro. Alors en fait, il y a que les tuyaux qu'on a dedans depuis le début. Hein. Moi, si je passe une voiture là, il se passe quoi? Déjà, à première vue, elle va pas sur le sol parce qu'elle est au-dessus. Il faut l'activer. Déjà, ça fonctionne pas. Faut l'activer déjà. On va commencer par ça.
Déjà, on peut pas la poser là. On peut pas la poser là. Ça s'emboîte pas bien. Ouais, c'est ça, hein, ça s'emboîte pas bien. Déjà, elle, c'est mort, tu vas pas là. Les tables, est-ce qu'on peut les poser à même le sol? Oui. Ah. On peut peut-être négocier un truc. Ah, ça y est. J'ai compris. Vas-y, je prends la main. Ah, attends, je vais te rétrocéder. Vas-y, prends la main. La cuvette active la voiture. Qui va faire tomber la poutre au milieu. Tu vois ? J'avais tout compris. Sauf que ta poutre n'est pas stable. Il faut laisser ta poutre stable en fait. Il faut que ta poutre soit bien au milieu. Voilà, ça faut pas qu'elle tombe. Ah mais non. Ah, il faut que tu replaces ta catapulte en fait de droite. Un peu plus à gauche, ouais. Voilà. Et c'est le but. Et bah voilà. C'était facile hein. Il y a plein de petites boules. C'est easy peasy lemon squeezy. On en a été trop peu de pulp, ouais. Et du coup, course de gravité. Voilà. Ah oh, oui, une autre course curieuse dans les airs. C'est à vous de décider si vous voulez piloter cette voiture jusqu'à la ligne d'arrivée. Poète. Accident de la route. Alors, je vous rappelle que les accidents de la route, c'est géniaux. N'hésitez pas à tuer votre voisin. Je crois que c'était mal. Je crois que c'est mal. Non, c'est super. Ça a réduit le nombre de connards sur la route significativement. C'est toujours génial. Tuer des gens, c'est une bonne idée. Je vois pas l'intérêt de cette planche qui s'emboîte mal. Bon, bah voilà, j'ai trouvé l'intérêt. Bon, ça me fait plaisir. Mettre celle-ci ici, là, on peut rien emboîter. Hein. C'est vraiment. Le jeu m'a dit non. Est-ce que celle-là on peut l'emboîter par là? Ah, ça a l'air d'être plus le cas. Moi j'ai envie de mettre cette plaque nulle ici. D'accord, bon, j'ai pas le droit de la mettre, mais je vais la mettre quand même. Voilà, je n'ai pas de respect pour ce jeu de toute façon. Tac. Voilà, formidable. Et donc là on peut plus monter. On a un ballon là hein, qui est suspect. Hein. Je tiens à le préciser, on a un ballon qui est très suspect. Il y a quoi sous ce truc? Ah, on peut le clipser quelque part lui. Genre ici. Ah, d'accord, comme ça le bas de la voiture sera toujours la direction de la pesanteur. Exactement. Ah, comme ça la voiture roulera toujours de toute façon, quoi qu'il en soit. Yes. Pourquoi le truc reste en l'air? Je sais pas. Bah, je sais pas non plus. Ah, mais c'est une plateforme mobile. Ah, c'est Playmobil en avant les histoires en fait. Ah, j'étais pas au courant. En fait, ça bouge ces trucs. C'est possédé. Alors attends, je voudrais juste refaire lecture déjà. D'accord, donc ça tombe parce que la gravité est en bas. Pourquoi la gravité elle change? Ah, parce que la gravité accompagne le sens de la voiture. C'est ouais, ça. D'accord. Ok. Ah, je peux le mettre là. Non mais tu peux le mettre juste au-dessus. C'est pas grave. Quoi? Non attends, je vais te le faire. Vas-y. Ah mais il y a les histoires de rampes que j'ai pas du tout exploité hein. Il y a rien d'exploité du tout. Vas-y, lance comme ça juste pour rigoler déjà. Je pense que là faudra faire ça. Je ne suis pas sûr mais... Ouais, vas-y, lance comme ça, on va voir si on peut arnaquer un jeu. Hein. Moi, tu sais, c'est mon projet de vie. Hein. Arnaquer le jeu. Bah non, c'est pas bon là ce que tu fais. Si, parce qu'il y a la plaque qui va aller là. Cette plaque de droite, elle va aller sur la gauche. Oui, mais le truc, c'est que ta voiture, elle arrive par l'intérieur. Et c'est pas bon parce qu'il fallait mettre la plaque à gauche. Ok. Yes.
fait, c'est d'abord que tu passes sous le point. Ah, ou alors tu fais le tour complet là et t'as de la chance, ça fait. Ah, ça fait le tour complet. C'est pas la chance, c'est la puissance intellectuelle. Mito, oh la mitochondrie. Eh bah, course de gravité, c'est fini, hein. Bah oui, c'est fini, hein. Des bisous, YouTube, hein. À la prochaine, à pouce bleu.